Le bon roi d'Agobert avait sa culotte à l'envers. Le grand saint des lois lui dit: oh mon roi, votre majesté est mal culottée. C'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. Et la petite pause. Le bon. Alors, statue de Dibella. Oh, elle est belle. Qu'est-ce que c'est? La déesse du cul. Grave, je l'adore. Riverine, allez, c'est parti. Oh, c'est pas très beau. Alors attention, sur quoi va-t-on tomber? Surprise! À quoi va ressembler l'intérieur de ce château? Est-ce que c'est pas... Est-ce, c'est peut-être pas forcément le château, c'est peut-être la ville? Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est la ville. Bien. Ça m'a l'air pas mal, hein. Déjà, c'est une bonne idée de faire... Qu'est-ce que c'est? Bon, bonjour. Ça me rappelle vaguement le château de Seaview, mais peut-être en mieux. Enfin, on verra. On peut pas encore alors, trop se prononcer. Fonderie. Je vais attendre qu'il fasse jour. Ouais. Ce sera peut-être mieux. Les gens me diront peut-être pas, vous n'avez rien à faire ici. Oui, c'est peut-être ça aussi, hein, se balader chez quelqu'un que tu ne enfin, tu connais personne. Le gars, t'arrives chez lui, il est 8h30. Ça peut l'énerver, ça peut se comprendre. Ouais, surtout s'il se préparait à faire des choses avec sa femme. Tout à fait. Ou avec ses poules, parce que. Aussi. Il y en a qui ont des poules. Si, aussi. Bonjour la poule. Bonjour la poule. Pas d'offense. Hein. C'est quoi ça? C'est une jolie table. Juste une table. Pour présenter ces articles. Donc là, on peut forcer. Se balader, hein, voilà. Qu'est-ce que c'est ici? Nécessite une clé. Je veux une clé. Non, on aura sûrement pas la clé plus tard. Ça, c'est sûrement une auberge. Non. Maya Ingrédients. C'était une alchimiste. Ah, la boutique de Maya. Maya l'abeille. Ouais. Bravo, tu connais. Oh, l'ambiance, sympa. Ah, sympa, ouais. Très feutré, très alchimiste et tout. Par contre, c'est pas du vol, tout ça. C'est pas du vol et je pense que Circulin ne va pas se gêner. Voilà, il va adorer. Oh, c'est joli, ça. Ouais, ouais. Franchement, j'aime bien. On va parler... L'effet un peu... C'est toi, Maya? Non, c'est exécutionneur, d'accord. T'as pas l'air très... Qu'est-ce que tu fous là, d'ailleurs? Salut, patron. C'est peut-être le mari de Maya. Voilà. Il vous faut quelque chose. Il est tueur. Par contre, j'entends absolument pas ce qu'il dit. Oui. Oui. Il vous faut quelque chose? Ok, d'accord, c'est juste ça. Voilà. Non. Bonjour. D'accord. Alors, regarde peut-être sur en haut, peut-être qu'elle est là-bas, tu sais. Putain, haut. On peut voler tout ça. Bon, je vais peut-être pas voler tout ça non plus. Ça serait trop long. Et peut-être en hauteur. D'accord, ok. Ouais, Maya. Maya n'est pas là. Maya! Où es-tu? Par contre, voilà, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Ah, Maya, bonjour. Ah, oh, joli Maya. J'ai foutu le bordel. Qu'est-ce hein. que vous avez à vendre? J'ai un stock de potions et d'agents alchimiques. Pourquoi il n'y a plus les sous-titres? Il va falloir que je règle ce problème. Elle vend pas mal de trucs. Oui, donc ça, c'est à moi tout ça. Ah, bon, d'accord. Oui, ça, c'est elle. Elle vend pas mal de trucs. Voilà, bon bah ça a l'air d'être une alchimiste lambda, hein, tu me diras. Ouais, mais c'est bien de l'avoir mis. Ah oui, alors ça je le critique pas, hein, ça c'est clair et net. C'est dans l'affichage. Audio? Non, je veux pas. Paramètres. Sous-titre, voilà. Pourquoi ça a été enlevé? Va savoir. De toute façon, c'est la faute de Capitaine Price. C'est de la faute à Dovahkiin, on disait. Voilà. Alors, bon, déjà, première boutique, je suis assez satisfait. Oh, la table des banquets! Ouais, et le feu là-bas, pour en honneur de je ne sais quel dieu. C'est pour le carnaval, on bah va aller en face. Ça se trouve, dieu, c'est toi. Bien sûr. Bon, je suis Surpurin. Oui. Surpurin, il se prend Surpurin pour Surpurin et dieu, voilà. Surpurin, il se prend pas pour de la bien merde. Bien sûr, bien sûr. Ah. Oh, sympa! Alors, ça se voit que le mec a fait un effort sur la compagnie de l'Empire Oriental. Ouais, par contre, c'est flouté, c'est un peu dommage. C'est pas texture. Grave. Hein, Oh, des chèvres, t'as vu qu'il y avait des chèvres. J'adore les chèvres. Ça me rend chèvre, tout ça. Donc, ceci est une boutique qui vend sûrement des articles de chasse. Des articles de chasse, exactement. Cette porte mène à rien et. Ça, dommage. À mon avis, c'est plus une porte de décoration. Donc... On peut imaginer aussi que c'est... Ça me fait penser à la cabane du chasseur. À la blancherie, c'est ça? Ouais. Oui, la... La conception de la salle est à peu près la même. Bah, c'est la même, d'ailleurs.
Ouais. C'est exactement la même. À part que là, il y a une porte qui mène je à Blanche Rive. Je me souviens plus du feu. Bah voilà, en fait, c'est parce que ça, c'est une porte qui mène voilà, à Blanche Rive. Voilà. Donc là, ils ont fait une porte vide. Bon, il a un petit peu copié-collé, mais bon. Ça part d'une bonne intention. Oui, puis de toute façon, à l'époque, les architectes, ils devaient pas forcément non plus s'emmerder. Voilà. Ils étaient bourrés la plupart du temps. Donc... Enfin, surtout dans les pays nordiques. C'est clair. Solitude Saumil. Oh là. Saumil, je sais pas comment le traduire, mais... Bon, par contre, on trouve personne dans les boutiques. Ah, si, toi. Ah, si. Raznova. Vous n'avez rien à faire ici. D'accord. Ouais. S'il te plaît. Hein, bon, d'accord. Je considère pas que je suis en intrusion. Une. Ça m'a pas l'air d'être une boutique, si tu veux. Non, ça a l'air d'être une petite maison. Elle doit vendre ses charmes aux plus offrants. Voilà, c'est River une... Elm. Hein. C'est la pute de River Elm. Voilà. À la gauche. Oui, par ici. Bonjour les vaches. Mmh. Les bovins. Ah, il y a des gens qui dorment ici. Voilà. Bah, en gros, c'est les mecs qui n'ont pas été sages. Les clochards. Ah, une catapulte. Ah, c'est sympa. Oh, chiche. Oh. Chiche. Oh. Vas-y. Tu te sauvegardes avant. Même pas cap. Ouais. Ouais. Wouhou. Voilà. Ça n'a l'air d'avoir rien fait. On a fait notre connerie. Ah, je peux le refaire en plus. Bah ouais. Bon, on va pas le refaire à l'infini non plus. Salut toi. Que voulez-vous? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Oui. T'as un œil en moins? Ah non. Bonjour. Oula, comme un tas. Oula. Regardez donc. Bonjour. Elle aime Sir Purin ou quoi? Mais tout le monde aime Sir Purin. Tu le connais, tu le sais bien. Ouais, sauf qu'il devrait pas me vendre des objets. Il devrait me les offrir. Voilà. Mais c'est que t'es peut-être pas encore roi, mon bonhomme. J'essaierai juste de remettre les textures plus tard en élevé. Pas maintenant, hein. Mais parce qu'on le voit quand même sur certains trucs. Ouais, bon. Bonjour. Ce qu'il y a, c'est que ça gâche des mods qu'on a installés. Regardez donc. Ils vendent un peu les mêmes choses. C'est hein. La même chose, ouais. Peut-être qu'ils sont ensemble. Voilà. Hop. Il y a un sombrage qui est mort ici, ok. Ah, je sais pourquoi, je pense. C'est à cause de mon mode d'avant, il y a peut-être un soldat qui est mort dans cette montagne à la base, et puis du coup, ouais, maintenant c'est plus une montagne. Dessus, c'est plus une montagne maintenant. T'es qui toi? Berry, un marchand. Alors dommage que les marchands ne restent pas sur place. Ouais, ils se promènent un peu, hein. Ils sont un petit peu, comment dire... Surtout que, corrige-moi si je me trompe, mais non, je m'en fous. Tu peux faire en sorte que les PNJ ne bougent plus normalement. Normalement, tu peux régler leur... leur déplacement. Leur, ouais, leur... comment on dit... leur quelque chose que tu fais au quotidien, comment tu dis? Oh, c'est joli ici. Les tâches quotidiennes. C'est pas ça que je voulais dire. Il y a un mot tout simple, mais je l'ai plus, je l'ai pas sur la bouche. Enfin, sur, le boulanger. Il fait de l'e-droning. Alors, en fait, c'est le cuisinier, autant pour moi. On y fait aussi du pain, hein. À l'époque. Oh, toutes ces baguettes qui sont rangées. C'est fou. Voilà. Voilà. Sir Purin est un connard. Voilà. Et tu m'en referas une petite vingtaine parce que. Ils sont pas propres. Et bien sûr, je te payerai pas. Ah, il va être sympa en roi, Sir Purin. Ah, ça. Sir Purin, il va aimer, hein. Bon, par contre, River Elm, un château d'une ville pile poil à côté de Blanche Rive, niveau cohérence. Je suis pas fan de l'idée. Moi, je l'aurais mis beaucoup plus sur, comme je disais, en offline, entre Roricourt et Blanche Rive. Ah, tout le monde mange à midi, tu vois, donc ils ont quand même réglé ça. Moi, je l'aurais foutu peut-être carrément en dehors de bord de ciel. Ah non. Sur une île ou une connerie comme ouais, ça. Ouais, mais non. De façon à ce que ce soit. Que ça gêne pas l'univers d'origine. Oui, mais tu vois. Non. Ah, moi, c'est mon avis. Oui, mais ton avis est nul. Voilà. Puis-je. Si tu le dis. Oh. Elle est de garde commandeur, donc tu es le commandant de la garde, c'est ça? Oui, voilà. C'est le boss. C'est oui. Le boss. Alors, toi, je t'ai déjà parlé, Merek, tu sers à rien. Tu vas pas faire ton. Voilà. Parce que Sir Purin est un chien. Que voulez-vous? Et ça, c'est la crypte, je suppose. Je suppose aussi. Ou la prison. Un manoir. Ah, le manoir. On ira après, qu'en penses-tu? Ouais.
Ouais, on va garder le manoir et le château principal. Enfin, des enfants. Bonjour. Salut. Bonjour. Oui. Non, tu me dis rien. Et toi? Oui. Non. Ouais. Ouais. C'est un clochard assez riche, hein. Je donne pas une pièce à un clochard, moi. Qu'est-ce que t'es un clochard, toi aussi? Putain, mais. Ouais, bien. Il y a que des clochards dans cette ville. C'est quoi ces clochetons? Je suppose que c'est là le château principal. On va vérifier, mais. Vu la taille des portes et tout. Ouvrir une porte. Ah, d'accord. Palace, ok. Qu'est-ce que c'est? Il y a eu un petit bug, hein. Ouais. Sur une porte. Voilà. Les quatre boucliers. Pourquoi? Four shield bar. C'est bizarre que c'est traduit en français, ça. Bah écoute, te plains pas, hein. Oui, non, mais je comprends pas. C'est ça. Je comprends pas. Il a peut-être fait un effort, le bonhomme. Tiens, les gardes qui sont à la taverne, hein. Évidemment. On connaît bien les flics, hein. Ouais. Bonjour, Myriam. Salut, Myriam. Oui. Oui, d'accord. Bon. Bonjour, Raganor. Oui. Oui. Bonjour, Lufa et Luafin. Vous faites quoi ici? Puis-je faire une demande? Formé à l'Académie des Barres. Ah, d'accord, c'est une barre. Okay. C'est l'endroit rêvé pour les chats errants dans votre. Puis-je faire une demande? Oui, c'est laquelle? C'est moi, ma grosse. Tu vas chanter, pétasse. Tu vas chanter l'âge de la violence. Ce serait bien comme ça. Les impériaux réclament cette chanson. Ouais, impériaux, si tu veux, tu m'en fous. Impériaux sombra, je me suis bien indépendant. J'ai explosé deux camps. Sabiorn. Il y a un autre qui s'appelle Sabiorn. Ouais. Bah, le Sabiorn, c'est pas un des, si je me souviens bien, un des big boss de la Guilde des Compagnons. Possible. Je sais plus, mais je sais que c'est un nom qui existe déjà. Je pense qu'une taverne qui s'appelle Les Quatre Boucliers existe déjà. Parce que sinon ce panneau n'aurait pas été traduit car j'ai un panneau qui traduit tous les panneaux. Ah, un mode qui traduit tous les panneaux du jeu. Oui, parce qu'un panneau qui traduit tous les modes, ça marche moins bien. Ouais. Oh, le bio. Là, ça m'a l'air d'être un endroit très intéressant. Ouais, un endroit que Sir Purin va beaucoup utiliser. Que voulez-vous? Exactement. Je suis sûr qu'on peut organiser des exécutions, ce serait trop drôle. Je pense que je. Tous les je enfants. Je kifferai. Tous les enfants. En plus, j'ai un mode pour tuer les enfants. Voilà. Tant qu'à faire. Parce que nous on peut pas blairer les gosses. D'ailleurs Sir Purin il a tué des enfants dans un village, Rivebois. Les enfants de Rivebois. Là on peut y aller, mais ça nous sortirait du bordel. Bonjour. Et ça permet de sortir aussi visiblement. Bordeaux, voilà. D'accord. C'est quoi ici? Porte nécessite une clé. À mon avis ça doit être la caserne. Si tu tues un garde, tu peux l'avoir la clé. Ouais, mais je vais pas tuer de garde, je vais plutôt me concentrer maintenant sur... J'allais voir le manoir, voir ce qu'il donne. Par contre, j'aime beaucoup la tenue des gardes. Pour le moment, on n'a pas vu la reine, j'espère que ce n'est pas l'endroit buggé. Ouais. Sinon, on trouvera une solution. Dans le pire des cas, temporairement, je désinstallerai quasiment tous les mods, histoire de voir. Mais bon, ça me ferait chier, parce que pour réinstaller, je vais avoir du mal. Donc ça, c'est un manoir qu'on peut posséder, peut-être que Cheat Keybox. Ok, donc ça, en fait... Ça te permet de devenir roi. Voilà, ça permet d'obtenir tous les trucs, dont titre de propriété, de tous les trucs du jeu, enfin du mode, ouais. Etc, etc. Donc c'est dommage. Avec la clé, etc. C'est dommage de pas faire les éventuelles quêtes... Tu récupères pas le truc? D'accord, quel truc? La boîte? Bah, à mon avis, c'est comme ça que tu la récupères. Fallait une clé. J'ai pas la clé. On voit pas d'argent, hein. On va aller au palace. Ah oui, c'est vrai, c'est que t'as un mode pour ouvrir les trucs, c'est ça? C'est un cheat qui me permet de... Ouais. Tu mets unlock en cliquant sur une porte et ça l'ouvre. Mais c'est pas bien de cheater. Si on c'est peut pour ça que tu le fais tout le temps. Je le fais en vidéo, souvent. Quand j'en ai besoin. Pour éviter de vous faire perdre du temps, hein, cher viewer. Oui, on le dit tous. non, vraiment. Alors, attends, montre un peu la salle, bordel. Je l'ai montré, la salle. Ouais, attends. C'est juste que je regarde les portes comme ça pour me faire une petite idée. Regarde-moi tout ça. Donc, un bouffon. Sir Ragnar. Vous m'avez traité comme un ami.
Ça me touche beaucoup. Ah bon? D'accord. Je te connais pas. Mais c'est bien. Bon, très bien. Sir William. Ah oui, c'est les fameux chevaliers qui peuvent nous accompagner en mission. Sir Brutus. Mmh. Et Lady Sabrine. Je peux vous aider. Vous êtes quelqu'un d'efficace. Ça me plaît. Oh, bien le déjà, une drague. Baron du Barkhane. Je veux juste voir le bouchon d'abord. Je m'en vais. Lui, c'est le vieux veillé sur lui au cours de notre bataille. Hein? Hey, crâne quoi? Ah! Tu sais ce que c'est ça? Non. Oui. C'est. Je crois que c'est un. Il me semble que c'est soit un sort, soit un cri, soit un bâton, mais un truc qui permet de provoquer les ennemis. Oui. Et en fait, quand tu fais ça, bah, les ennemis se dirigent vers toi. Et donc, ils ont transcrit ça pour le bouffon. Ah oui! Donc, du coup, ils t'insultent. Oui. Bon, alors, parle au baron. Ouais. Oui. Bonjour, baron. Baron du, oui. du Barkhane. Je peux vous aider? Hello. Hello. Good morning. Greetings, good sir. Oh. On notera donc le doublage anglais. Voilà. I would like to purchase securities and properties in Riverhelm. Donc je voudrais acheter des sécurités, je suppose. Ouais. Et des propriétés à Riverhelm. Donc les propriétés, ça comprend probablement la mine et tout ça. Ouais. In the midst of this war, it's difficult to find someone willing to make large investments. Here are the options available. Voilà, c'est ça. Il faut que tu les achètes une par une. Déjà, chevalier, ce serait pas mal. Après, ce serait la mine. Ah, ça se trouve, c'est la mine, en fait. Vu que c'est éloigné de la ville. Ouais. Walking, hein, direct. Le problème, c'est... Il faudrait voir ce que ça donne au fur et à mesure, en fait. Le truc, c'est que je pense pas avoir 10 000 en or. You don't have enough gold. Voilà, j'ai pas assez. Mais on va arranger ça. Eh hey, gros pif, il connaît bien sur Purin, dis-moi. Mais 30 000, enfin... Combien, tu penses? Pour... Oh, je vais mettre 100 000. Ouais, voilà, ça va suffire. Voilà. Je suis un ouf, moi. Heureusement que ça pèse pas, ça pèse pas. Hein. Greetings, good sir. Alors, ouais, voilà. Donc d'abord, je vais être le chevalier de Riverhelm. Voilà. Very interesting. So you wish to become a knight? Kneel, good sir, and repeat after me. From today, I put the services of Riverhelm, my bravery, from today, and my soul in your hands. Steel shall pierce. Qui m'a demandé de répéter le serment à la con. D'accord. I shall fight for Riverhelm until death takes me. May God witness my oath. Jusqu'à ce que la mort s'empare de moi. Now, Sir Knight of que Riverhelm, les dieux soient témoins de mon serment. You now have the Knight Manor in front of the castle. Il m'offre le manoir. The chest will contain your salary of 1,000 gold. Welcome to your new home, Sir Knight. Ça rapporte 1000 d'or, c'est le ça? Coffre m'offre 1000 d'or, ouais, en salaire en fait. On va aller voir ce que ça donne. Ouais, bonne idée. Nick Minor, ok. Ok. Ouais. Peut-être que la mine, quand tu fais le truc, ça débloque le truc, non? C'est pas possible ça? Bah écoute, j'espère que ce serait ça. Mais bon, ça fait con, un point d'exclamation avant quoi, c'est bizarre. Ouais, mais si tu passes pas par là? Ouais, enfin, c'est quand même un chemin emprunté, c'est bizarre. Ou une erreur dans le chargement, enfin je sais pas, mais c'est... Ouais. Je vais enlever ça parce que ça me perturbe. Le manoir, il est là. Déjà, belle petite baraque, hein. Moi, je la trouve sympa, cette ville, hein. Ouais, sympa. Je la trouve sympa, mal placée, mais sympa. Par contre, c'est très carré, hein. C'est... Ouais. Donc, essaye ce coffre, d'ouvrir là, le coffre. C'est celui-là qui me... Donc, il y a mon salaire. Donc, régulièrement, peut-être que je obtiendrai 1000... Qui sait, 1000 pièces d'or. Non, t'as pas... Si, t'as la clé. Ouais, vu que je suis propriétaire de cette maison-là. Intéressant. Bon, ça, ça, ah, une carte de bord de ciel. Encore une fois, la carte en français est grâce au mode de la confrérie des traducteurs. Je regarde ce qu'il y a en livre, s'il y a des trucs intéressants. Non, rien de.
T'as peut-être des habits, non? Ah non. Voilà. Tant pis. Votre infini. Ça plaît à Circa. Ça plaît pas à Circa. On le sait. Bon, ben, moi je le trouve un peu petit, ce manoir. Attends, t'as le coffre, là. Non, pas celui-là. Le petit. Non, mais ça, c'est le truc de cheat, ça. C'est pour obtenir tous les titres directement. Ah, d'accord. Non, j'ai l'impression que c'est tout, hein, pour... Bah, c'est déjà pas mal, hein. Non, une petite baraque, pour 10 000 pièces d'or, je vais te dire, tu payes plus cher la maison de Marcat, hein. Ouais. Ça va encore. Ouais. Rania, c'est bien pour débuter.